Meghan Markle a de nombreuses similitudes avec la princesse Diana en ce qui concerne son expérience au sein de la famille royale, selon le biographe Andrew Morton. L'auteur et expert royal Andrew Morton a insisté sur le fait qu'il existait des similitudes évidentes entre la princesse Diana et Meghan Markle. En parlant sur Talk Radio avec Julia Hartley Brewer, il a déclaré que les deux avaient vécu des expériences négatives à un moment donné au sein de la famille royale. Il a également commenté la façon dont les femmes royales étaient perçues, leurs images allant de louées à vilipendées. Monsieur Morton a déclaré, ce que Jay trouvait très surprenant, ce sont les parallèles entre Meghan Markle et la princesse Diana. Parallèle en tant qu'enfant mais aussi en tant qu'humanitaire et aussi leurs premières expériences dans la famille royale, dans le monde bizarre des Windsor. Princesse Diana parlait d'être isolée et seule, Meghan parlait de se sentir comme une prisonnière dans le palais. Il y a des parallèles remarquables là-bas et même dans la mesure où la princesse Diana était une princesse de conte de fées et en 18 mois, elle était décrite comme un démon et un monstre. Elle s'appelait la souris qui rugissait pour avoir viré tous les valets et titres privés et les gardes du corps de la police. Nous avons une chose similaire avec Meghan Markle passant de duchesse éblouissante à duchesse difficile. Madame Hartley Brewer a ensuite demandé s'il s'agissait de la progression normale pour les femmes mariées dans la famille royale. Elle a déclaré, si nous regardons la duchesse de Cambridge, la duchesse de Cornouailles, elles sont maintenant considérées comme les épouses royales les plus parfaites. Mais ils n'ont certainement pas été traités comme ça dans les premières années, nous nous souvenons également de ce que Fergie a vécu. Pensez-vous que Meghan va traverser cela, bien qu'il ne soit techniquement pas des membres de la famille royale actuellement? Tu penses que nous finirons tous par l'aimer? Monsieur Morton a répondu, le problème avec Meghan, c'est qu'elle est un personnage assez controversé. Les gens plongent maintenant dans leur silo d'une manière qui n'était pas le cas auparavant. Vous êtes soit pro-Meghan, soit vous êtes anti-Meghan.